your star chaser. Et donc ça le tourne, c'est Ishab, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo sur Marble Blast Platinum 1.5 RC1 Release Candidate 1. Donc oui, elle est sortie pendant les vacances, et au lieu de vous faire une petite vidéo voilà sur League of LOL, ou alors sur Warcraft 3, ou alors sur Minecraft, pour être plus original, j'ai préféré faire ça en attendant que Assassin's Creed Brotherhood sorte dans le début de la semaine prochaine, voilà. Donc il va commencer dès lundi ou mardi ou mercredi, et puis après plus tard viendra dans l'année sport, mais cette fois sport modé. Donc voilà, je vous ferai avec le mode Forgotten Sport, j'ai à peu près tout prévu, ça devrait être plutôt pas mal et plutôt intéressant. Et donc voilà, Marble Blast Platinum Release Candidate 1 a plein de tout nouveaux trucs qui sont arrivés par rapport à la 1.5 version 3. Déjà je crois que en ligne nous, on peut jouer déjà en Mac PC, donc ce qui était déjà très dur à configurer pour parce que c'est un petit jeu indépendant, voilà, donc il y a tout ça qui est en ligne, donc il doit forcément y avoir une petite partie en... non, même pas même pas de petite partie en ce moment en multi, voilà, je vais dire hello. Et en attendant, voilà, on peut aller dans les options My Profile, Leaderboard, et je vais faire un peu de single player avec vous, surtout qu'ils ont rajouté pas mal de custom level et des ultra level. Donc on va faire quelques custom. Donc voilà, j'arrête pas d'avoir la voix un peu cassée. Et donc je préférais faire un peu de... Tiens, quel est ce level là où je l'ai fait la dernière fois? Je préférais faire un peu de... Tiens, on va faire ça, et puis comme ça on va pouvoir discuter un peu. Ah, ça me saoule d'avoir la voix cassée. Oh là là, le son est trop fort. Voilà. Et donc voilà, je préférais faire ça que du LOL comme j'ai fait à la dernière vidéo, en attendant que les let's play y arrivent. Ouh là là, ce level déjà a l'air très bordélique. Voilà. Ok. Ici, il n'y a rien à choper. Voilà. On va aller là. Oups, là c'est un peu le bordel. Donc voilà, la release Candidate 1 qui a fait pas mal de changements. Et puis surtout déjà, en bas vous pouvez voir le chat en ce moment. Ça n'a pas changé depuis la fois d'avant. Mais c'est sûr qu'il y a eu pas mal de changements. Déjà avant il s'est arrêté qu'au level Advance 15 qui était sur Marble Blast Platinum. Et là pour changer, il y a déjà Marble Blast Level. Il y a tous les Marble Blast, tous les niveaux de Marble Blast Platinum, donc les 35 level advance, et aussi les... Putain, il est en l'air celui-là. Putain, mais c'est quoi ce délire? Ah, ça doit être un fake, c'est fait exprès. Et il y a aussi... Putain, c'est un peu le bordel ce niveau. Et il y a aussi les 25 level experts, ou les 15, je sais plus combien il y en a. Ok, fallait que ça arrive. Il était trop chelou ce level, on va en faire un que je connais déjà. Celui-là est plutôt joli à faire. Mais je l'ai déjà fini. Hein. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont rajouté d'autre? Je sais même plus les dire, mais il y a plus de 200 trucs. Mais bon, moi je les oublie à chaque fois. Hein. Ah, celui-là il est assez chaud. Il y a plus de 200 trucs déjà, il y a tous les levels intermédiaires et experts. Je galère comme un con. Ça me saoule qu'il n'y ait pas de partie en multijoueur. Je vous aurais bien montré une partie en multijoueur. Voilà. Déjà, le jeu, vous pouvez le télécharger gratuitement sur les forums. Donc, je vous invite à vous inscrire sur les forums pour télécharger la version originale de Marble Blast. Et puis ensuite, Marble Blast Platinum, la Release Candidate 1 avec le multijoueur et patati patata, et on pourra se faire des parties ensemble. Mais c'est sûr que ce jeu, faut savoir les jouer parce qu'il est quand même relativement compliqué. Enfin, quand vous avez jamais joué, la plupart des gens galèrent. Voilà. What the fuck? Voilà, fallait que je tombe. Je vais voir s'il y a vraiment pas moyen de faire un petit multi avec quelqu'un. Voilà, j'ai fait une petite requête. En attendant, on va aller sur les niveaux advance. Voilà, alors avant c'était bloqué à celui-là. Il n'y avait pas tout cela. On va faire un petit beach party parce que je trouve qu'il est plutôt sympa. Et ça fait
assez longtemps que je n'ai pas joué. Voilà. Alors, hop. Hop. Oh, on peut aussi parler comme ça. Oh bah c'est pas, c'était pas ça. Voilà, il faudra que je me rappelle de parler à Jeff. Ah non, ouh, putain c'était chaud. Oh putain, on va juste faire quelques levels juste histoire de. Voilà, ça y est, je tombe. Ah putain, je galère. J'aime pas avoir la voix cassée comme ça. Sinon, qu'est-ce que j'avais à vous dire? Que j'ai hâte de commencer mes let's play, mes mains et autres let's play, mais bon, en attendant, il faut bien patienter en faisant quelques vidéos. Et j'avais pas envie de faire un LOL ou un Minecraft, je vous le dis toujours, mais c'est pas assez original pour moi et je commence à en avoir marre de faire toujours les mêmes vidéos quand j'ai pas de let's play en cours, c'est-à-dire Minecraft et LOL. Surtout que LOL, c'est plutôt, j'y joue pas ultra souvent, c'est plutôt de la détente pour moi. Alors. Putain, ça me saoule le doré. C'est plutôt de la détente. LOL, j'y joue pas souvent. C'est pour ça que, comme quelqu'un l'a remarqué dans les commentaires, il y en a un qui s'est un peu énervé. Non, je dirais pas énervé. Mais qui m'a dit de mieux jouer, de faire des choses dans ma partie. Mais je lui ai répondu que. Que je lui ai répondu qu'en fait. Eh bien, moi, LOL, j'y jouais pas. Pas non plus ultra souvent, que c'était plutôt une détente. Il me saoule ce level, j'ai explosé. Tiens, Perilous Road, je commence à galérer. Sinon, il y a une nouvelle compile de Marble Blast. Je sais pas si vous avez déjà sûrement vu que avec Marble Blast que j'ai commencé mes vidéos il y a 2 ans. Et que tout simplement, à la base, je faisais des compilations avec musicales, avec des runs, comme on appelle. Donc j'enregistre mes levels, après je fais un petit montage et je mets mes meilleurs temps. Voilà. Et il y en a bientôt une nouvelle, ce sera la compile numéro 16 qui va sortir. Enfin, il faut que je la commence, mais je me suis pas mal entraînée récemment depuis que la RC1 est sortie, la Release Candidate 1. Voilà. Voilà. Et sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous dire que cette année, il y a peut-être y avoir un peu moins de vidéos. C'est pas, j'en sais rien, pour l'instant, j'ai pas commencé les cours. Bon, comme vous savez, j'entre en seconde. Seconde, il y a un peu plus de boulot que la troisième, même si c'est pas. Le vrai boulot commence qu'en première, je pense. Hop, hop, hop. Le vrai boulot commence qu'en première, mais bon, en seconde, étant donné que moi j'ai une option qui s'appelle internationale, qui fait que j'ai comme 8 heures d'anglais par semaine, ce qui fait que par rapport à tous les autres qui se touchent la nouille en cours, et ben moi j'ai pas mal de boulot. Et donc, ce qui fait que c'est un peu plus. Oh la blague, je suis tombée. Ce qui fait que j'ai quand même plus de boulot que les autres. Et que je sais pas si j'aurai autant de temps pour faire les vidéos, sachant que je finirai plus tard les cours, etc. Je pense que ça passera quand même pour faire 2-3 vidéos par semaine. Je pense que ça se tentera quand même. Mais bon, on verra. Je pense que ça passera quand même. Après, je verrai pour plus tard. Ah là 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 là. Mais déjà, je pense peut-être, étant donné que je vais peut-être travailler l'année prochaine, je pourrais me faire un petit salaire. Et je pense que ce qui serait bien, c'est peut-être que je me ferai un ordi portable à moi. Comme ça, pour les vidéos, ce sera plus pratique. Parce que comme vous savez peut-être, ça, c'est pas mon ordi principal, là où je fais mes vidéos. Enfin, c'est pas mon ordi tout court. Alors. Ah, merde, je l'ai raté. Et donc, voilà, je pense que ça fera à peu près tout pour cette vidéo. Ça fait 11 minutes que j'enregistre, je discute, je papote avec vous, et puis comme ça vous fait une vidéo en attendant les let's play. Ça fait plein de fois que je le dis, mais c'est pas grave. Waouh, c'est la vie. Voilà. On a fini ce level magnifiquement pour une magnifique fin. Allez, on va en faire un petit dernier rapide, un petit intermédiaire, ou allez, un petit level classique de Marble's Gold. Voilà, pour finir sur une touche de skate, parce que le level s'appelle Skate Park. Voilà, on va finir sur ça. Allez hop, je triche. Pouh.
Allez, hop, je suis chaud patate. Et donc voilà, les let's play qui arriveront bientôt. Ça, je fais que dire ça, ça se répète beaucoup. Mais j'ai pas grand chose à vous dire. Sinon, qu'est-ce qu'on aura à la rentrée bientôt? Je vous ferai aussi un peu de. Je continuerai le Hunger Games Minecraft parce que ça, ça risque pas de s'arrêter bientôt. Ça risque pas de s'arrêter parce que c'est une valeur sûre, j'ai toujours pas mal de vues dessus. Puis ce qui est bien, c'est que je m'éclate à tourner ça parce que je fais ça avec des potes. Donc ça, c'est cool. LOL aussi, je ferai plus de vidéos avec des amis parce que j'en ai qui jouent. Mais bon, on n'est pas souvent super. Super. Ah, ça, c'est les classements. Je suis combien moi? Ça fait trop longtemps que j'ai pas joué. Ça m'étonnerait que je suis. Ouais, je suis 49. Voilà. J'ai combien de points? Je saurais pas calculer. Ça fait 9 337 000 points. Bon, c'est pas énorme, mais en même temps, il y a que quelques levels que j'ai fait. Et puis, je pense que si je continue à jouer bientôt, je pourrais passer dans le top 20 ou un truc dans le genre. Mais bon, je joue pas non plus à fond. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce, un commentaire, vous abonner à ma chaîne YouTube. Sur ce, j'ai plus grand chose à vous dire. Je vous laisse sur ce menu avec tout Jeff et tout le monde qui parle. Voilà, c'est trop qui coule. Je vous dis à la prochaine. À plus. Ciao.